Hello les bricots, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre enseigne de bricolage préférée, Brico Dépôt. Et aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale puisqu'on va tester de l'outillage. Je vous raconte pas la galère. Donc c'est parti, je me dirige dans les rayons pour aller chercher du titan et des bons plans, bien sûr. C'est parti. Je cherche le rayon outillage électroportatif. Il est immense. Je suis à cheval gousse sur Moder. La ponceuse à bande, elle est ici. Donc c'est celle-là, c'est 900 watts, 200-400 tours minute, et elle coûte 70 euros, 69,90 pour être précise. Je vais la prendre, c'est parti, on va la tester chez moi. J'ai plein de trucs à vous montrer, je vous réserve la surprise pour plus tard. Je vais commencer avec cette ponceuse à bande en 900 watts que je vous ai montrée en magasin. Je me suis équipée, hein. J'ai cette table à sacrifier, je vous raconterai l'histoire, elle est très longue. C'est parti pour le déballage. Voilà l'engin, ça va, elle est pas trop lourde, elle est plutôt facile à prendre en main. Je vais devoir la brancher, vous voyez là, c'est les vitesses. J'avais un appareil de chez Brico, comme ça, que j'avais testé, qui était facile à prendre en main. Et on va arrêter de discuter et je vais tout de suite la tester. De toute façon, foutu pour foutu ma table. La bande, elle était déjà fixée dessus. C'est du gros grain, je crois. Donc, à mon avis, ça va être du 60 ou 80. Je vais tester tout de suite. Ne me jugez pas. Hein. Peut-être baisser la vitesse pour commencer. Allez, je vais me mettre au mode 3. Il y a le cran qui est fait. Oula, ça commence bien. Je peux pas faire pire. La team, j'ai refilé le flambeau à mon petit mari parce que là, vraiment... Bon, nickel. Côté poussière, il n'y a rien qui dépasse. Elle a de la puissance, mon mari me dit. Bon, elle est plutôt cool, vous voyez, comme ça, râper directement la plaque qui était dessus. À la base, j'avais poncé cette table avec une ponceuse orbitale pour mur et plafond, ne me jugez pas. Je pensais que c'était du bois véritable, mais non. Et en vrai, avec une ponceuse à bande, c'est quand même beaucoup plus efficace. Je vous ai montré, hein, vous avez 6 vitesses. Pour enlever la bande, c'est hyper simple, vous connaissez. Il y a juste une molette là sur le côté. J'ai pas trouvé à quoi elle correspondait. Ça, il faut que j'ouvre mon petit dépliant. Elle est garantie 2 ans. Du 200-400 tours minute, et voilà. Ouais, j'ai trouvé, en fait, ça c'est le bouton d'alignage, enfin d'alignement, réglage d'alignement. J'en profite pour vous parler de la marque Titan. C'est vraiment une marque ultra complète pour le bricolage domestique quotidien. Il y a ce côté-là et il y a celui-ci. Donc très peu cher en termes de tarifs. C'est une marque plutôt ergonomique et multifonction. Donc simple d'utilisation et pour répondre vraiment à toutes les tâches de bricolage du quotidien, pour les petits et gros travaux. Ça va de la simple visseuse sans fil, comme vous pouvez le voir, et on a même des trucs un peu plus balèzes, comme ici le perforateur, en 1500 watts. Ils font aussi de l'outillage pour l'extérieur. Allez, je continue avec la scie circulaire, c'est une 1200 watts, 165 mm de diamètre, elle coûte 45 euros seulement. Donc il y a bien le guide laser qui est... intégré. Ce qui est cool là, c'est qu'on a le disque qui est fourni avec, donc pour la mise en route. C'est génial. Et donc c'est pour faire des coupes précises. Je vais l'emmener, donc c'est 45 euros. Celle qui me fait le plus peur. Allez, je vais la déballer sans plus attendre. Est-ce que j'ai un disque? Normalement, le disque est fourni. Oui, il me semble que c'est ça. Parce que sinon, on va pas pouvoir l'essayer. Oui, il est là. Et j'attire sur votre attention sur la longueur des câbles. Je ne les ai pas mesurés, mais ils sont quand même bien longs. Ça reste quand même un détail important. On est en train d'essayer de monter le disque. Bon, les gars, regardez. J'ai monté la lame, tout ça, tout ça. Par contre, j'ai l'impression que c'est bon. Hein. J'ai testé, j'ai fait tourner à vide, comme préconisé dans la notice. Par contre, vous voyez là, le carter de sécurité, j'arrive pas à le laisser bloquer au-dessus. Donc, je ne sais pas si je suis bien ou pas. Donc, il y a le laser, vous l'avez vu. Il est nickel. Du coup, vous voyez, ça tourne nickel. Mais c'est ce truc-là, je me dis, mais comment je vais faire pour scier, en fait? Ce que je vais faire, c'est que je vais le tester moi-même. Et je vais découper ma table. De toute façon, elle part à la déchetterie. J'avais très peur avant de la lancer. Le laser.
terre, il est très facile à suivre. Je me dis, c'est super ça. Je vais pouvoir faire un nouveau plan de travail. La nana qui s'enflamme, mais je suis confiante. Franchement, c'est validé. Il est pas trop lourd, facile à prendre en main. C'est assez impressionnant quand on n'en a jamais utilisé. Mais une fois de plus, usage domestique, c'est validé. Alors, j'ai vu par ici qu'ils avaient des mallettes ultra complètes de perceuses visseuses à 90 euros. Donc là, c'est garanti 2 ans aussi. Il y a deux batteries qui sont fournies. C'est du 2 ampères-heure les batteries. Il y a le chargeur. Ah, ça, c'est cool pour se mettre en route. J'en profite pour regarder toute la gamme qu'ils ont parce que c'est impressionnant. En plus, vous voyez tout ce qui est exposé. Ça permet vraiment de le prendre en main et de vous rendre compte qu'elles sont très ergonomiques. Vous voyez, elles sont faciles à prendre en main. Les ponceuses excentriques, ils en ont deux. Il y a la triangulaire en 160 watts à 35 euros. C'est celle-ci. Avec le bac récupérateur de poussière. Et ils en ont une autre à 50 euros. C'est nouveau ça, hein. C'est une 125 mm. Ouais, je me disais bien que depuis le début où je fais des vidéos, il n'y avait pas autant de références. Là, c'est vraiment impressionnant. Si j'ai le temps, je vous emmènerai au rayon extérieur après. Je viens chercher une meuleuse d'angle en 125. Elle est à 40 euros. Donc c'est du 750 watts. 12 000 tours minute. C'est garanti 2 ans. Et c'est distribué par Brico Dépôt. Donc 40 euros la meuleuse en 125 de diamètre. Il y en a une autre d'ailleurs en rayon en 115. Elle coûte 37 euros. 750 watts aussi. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle. Avant de nettoyer tout ce bazar, je vais vous montrer la meuleuse d'angle Titan. Elle est super chou, elle est toute facile à prendre en main. Vraiment, elle est pas lourde. Elle doit faire peut-être 1 kg ou 1,5 kg et encore. Hein, parce que là, je suis à l'aise. Je vous remonte la boîte, c'est la 750 watts et c'est toujours origine EU. Donc c'est parti pour le test. Je vais couper ce carrelage. J'ai un peu peur parce que c'est vrai que c'est la première fois que je m'en sers de cet article-là. Mais c'est parti, elle est adaptée au droitier ou au gaucher. Je crois qu'il y a un système où vous pouvez le visser là si vous êtes de gaucher. Moi je suis droitière. D'ailleurs, je me demande si je suis du bon sens ou pas. Il y a le cran de sécurité là. Voilà. Bon. Attends. Je vais te le tenir, tu fais juste attention à tes mains. Et aux tiennes ? Bah oui, aux miennes aussi. Je crois que j'ai pas pris le bon disque. Ça va être un disque pour le métal, la tôle. Ah ! Erreur de débutant, cela dit, regardez ce que j'ai réussi à faire. Pas mal, non ? Franchement, c'est propre, c'est facile à prendre en main, donc ça, il faut l'avoir dans son garage. Maintenant qu'on a mis le bazar partout, il faut que j'aille chercher un aspirateur. Je le cherche, je crois qu'il est là. Oui, il est là. Celui-là, il fait 30 litres, il est à 70 euros. C'est un grand, moi je voudrais un plus compact. Et je crois qu'ils en ont un dans la gamme. Le voilà. Donc celui-ci, il est à 46 euros. Il est beaucoup plus compact que le précédent que je vous ai montré. C'est un 1300 watts, 16 litres la cuve. Il est à 46 euros. Donc c'est parfait. On va regarder. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un long câble d'alimentation pour voilà, nettoyer les sciures. Avec tout ce que je veux faire chez moi, je vais avoir besoin d'un truc qui pulse. Ça aspire l'eau et la poussière. Hein. Et regardez, ce qui est bien, c'est que il est exposé juste là, vous voyez comme il est compact. Donc ça, c'est très bien. Et le précédent que je vous ai montré en cuve 30 litres, je crois que c'est celui-ci. J'ai un petit doute. Oui, c'est celui-là, je crois bien, le 02. Vous voyez, ils sont beaucoup plus imposants, donc là, j'en ai pas l'utilité. Regardez comme il est mignon. Déjà que j'ai une passion aspirateur dans la vraie vie. Donc, cuve de 16 litres. Et waouh, le cordon d'alimentation, il est balèze. Il fait 5,5 m. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il est hyper léger, donc ça c'est génial. Allez, le temps de mettre le petit sac. Bon, le montage il s'est fait en 2 secondes. Je l'ai bien branché. Et je vais nettoyer mon bazar. Une seule passe, la différence, ça aspire super bien. Je ferme ma table. Il est validé, il est compact et il aspire l'eau aussi.
Donc ça, faut vraiment aussi l'avoir chez soi pour les fins de chantier. C'est dommage de sacrifier l'aspirateur de votre femme. Faites jamais ça si vous voulez garder de bons termes avec elle. Il vous faut un aspirateur rien qu'à vous. Direction le rayon des nettoyeurs haute pression. C'est par ici. Voilà, je suis au rayon et c'est celui-là que je vais prendre. C'est un 140 bars de pression. Il coûte 119 euros. Il y en a d'autres d'ailleurs en titan, comme vous pouvez le voir. Ils sont un peu plus chers ceux-là. Donc 150 bars, c'est 160 euros. Et 150 bars, c'est 229 euros. Vous voyez, j'ai même la fiche technique juste là. Donc moteur universel, 1800 watts, 140 bars, débit max 440 litres par heure. La pompe, elle en aluminium, 93 décibels. Tous les accessoires y sont inclus. Donc là, c'est même compatible avec l'usage fréquent. Pour l'intensif, je pense qu'il faudrait voir un autre modèle. Ils en ont d'autres, donc ça tombe bien. Mais c'est celui-là qui m'intéresse. Je vais nettoyer une terrasse avec. Ça fera l'affaire. Ils proposent plein d'accessoires pour nettoyer des dalles ou des carrelages. Ils ont des brosses en 25 de diamètre. Là, il y a quoi d'autre ici en 30 de diamètre. C'est une brosse aussi, sauf qu'elle est plus grande. Vous voyez? Ça coûte 38 euros, celle-ci. Il y a aussi des brosses fixes comme ceci à 7 euros. Voilà, je suis en train de déballer. Donc c'est un 140 bars, hein, comme je vous ai montré. Les embouts, on a la grande brosse ici pour nettoyer la terrasse. Ça, je pense que c'est un embout pour la voiture. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la lance. Donc vous voyez, la machine, elle est plutôt facile à transporter. Je vais tester sur les pavés, c'est parti. Le nettoyeur haute pression est vraiment ultra performant pour nettoyer une terrasse ou sa voiture. Je suis super contente de ce produit. Moi, je suis venue pour le titan aujourd'hui, mais vous voyez, comme d'hab, il y a toujours plein d'arrivages en quantité limitée, plein de bons plans. Donc, n'hésitez pas à passer. Côté marteau perforateur, il fallait tout prix que je vous montre. Ils en ont deux, des modèles. Ils ont le SDS Plus en 1500 watts. Je vais essayer de le soulever. Voici la bécane. Franchement, elle est balèze. Elle fait son poids. Hein. Et à 70 euros, il y a le modèle en 750 watts. On a ici la 1500 watts, elle coûte 80 euros. C'est du 0,900 tours minute, 5 joules. Ok, c'est garanti 2 ans aussi. Et la 750 watts, c'est celle-ci à 70 euros. C'est du 2,5 joules, 1200 tours minute, 5300 coups par minute. Voilà, là, ça nous fait deux options. C'est bien parce que du coup, chacun a possibilité de choisir. Celle-là, elle est vraiment très très puissante pour le gros œuvre. C'est parfait. Donc dans le boîtier en démarrage, vous avez deux burins et trois forêts qui sont fournis. Et j'espère vous refaire très prochainement une vidéo d'arrivage spéciale Titan, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. Merci à Brico Dépôt de m'avoir permis de tester ces produits. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et j'espère vous en proposer une prochaine rapidement. Bye.